Après le premier épisode où nous avons relevé d'incroyables défis urbains, nous quittons la ville pour conquérir de nouveaux territoires et découvrir les challenges du second épisode. Direction les étendues sauvages lointaines et inaccessibles pour aider ceux qui en prennent soin. Peu importe la météo, le terrain et la destination, et peu importe comment, la livraison arrivera à bon port sans retard. Telle est la nouvelle mission de The Contractor. Oubliez le confort du bitume. Cette fois-ci, les entreprises pour lesquelles nous travaillons ne connaissent que la terre et la poussière. Découvrez Intrepid Outdoors, le service de livraison qui apporte des marchandises aux amoureux de la nature. Il repousse les limites de l'impossible. Quant à US Wildlife Watchers, il nous rappelle qu'il est primordial de préserver la nature et la vie sauvage. Et de faire attention à la nôtre. Contracteur. Mais attention, vous pourriez bien avoir des surprises sur la route. Salut les pilotes, on se retrouve dans The Crew 2 pour un nouveau summit. Et le summit de cette semaine, c'est le Misty Mountain. Et je suppose que vous avez remarqué, mais on a affaire à une nouvelle saison cette semaine. C'est la nouvelle saison de The Contractor. The Contractor saison 2. On va voir de quoi il en retourne. J'espère que ce sera mieux que The Contractor saison 1, parce qu'on avait vraiment zéro animation, zéro truc, voilà. J'espère qu'ils ont un petit peu amélioré ça. Donc on va aller voir de quel bois se chauffe le The Contractor saison 2. C'est parti. Alors, dans un premier temps, on va quand même récupérer nos récompenses du summit précédent. C'était le flashback, qui était assez sympa. Hein. Et j'ai pas eu le platine, parce que j'ai pas vraiment essayé de l'avoir. Hein. Souvent, je dis, je vais passer à améliorer tout ça après. Bon, là, je l'ai pas fait, clairement, mais à culpa. Donc, c'est de ma faute, j'ai pas eu le platine cette fois-ci. Après, je cherchais pas spécialement à avoir le 3 Retro Gaming, donc bon, dans l'autre, c'est pas si grave que ça. Allez, on récupère tout ça. J'ai le plus important de toute façon, on va avoir la suite des pièces boostées légendaires en rallycross cette semaine. Il suffit d'avoir l'argent en plus, donc ça va passer crème. On a une Jeep Wrangler Evo édition Rally Raid à gagner en or. Et en platine, on a un toit outdoor épique. Bon, ouais. On va peut-être essayer de le choper, mais je suis pas ultra hypé par ça non plus. Je n'ai pas l'habitude de modifier mes voitures comme ça, mais on peut peut-être le mettre sur le toit de la Jeep si je le gagne. Pourquoi pas. Bon, allez, c'est parti. On va voir qu'est-ce qu'on a comme épreuve cette semaine. Donc on a dans un premier temps un slalom, ok. Un slalom sur terre apparemment. Bon, le must ce serait d'y aller avec la moto, mais j'ai la flemme. Quoique, ouais, allez, on va prendre la moto. Ouais, on va prendre la moto. Je vais débrancher le volant et on prendra la moto. Ma petite Ducati, c'est celle-là, ouais, c'est celle-là. Ok, on y est. Il y en a un qui a une Koenigsegg Regera, c'est exactement le genre de truc qu'il faut prendre. Très l'argent ici. C'est assez simple pour l'instant. J'y parlais trop vite. C'était bête ça. J'aurais pu l'éviter facilement ce fail. Wow, on n'atteindra même pas l'arrivée. Oh, c'est tellement triste. Je sens qu'on va la refaire là, parce que c'est trop triste. What? J'ai même pas 100 000 points? C'est quoi le sens de la blague? What the fuck? Elle m'a fait quoi là?
Non, inacceptable. L'idée, c'était d'améliorer quand même. Voilà qui est mieux, mais je comprends pas ce score complètement pété qu'on a fait là tout à l'heure. C'est n'importe quoi, en plus c'est ma moto qui a le double point, donc normalement je devrais faire un gros score là. C'est quoi cette blague? C'est quoi ce score? C'est ça les nouveaux scores en fait? Faut me dire là, parce que là j'ai pas tout compris. Là j'ai pas tout compris là. Bon ensuite on a une fuite, bon je vais rebrancher le volant quand même. Quoique non, je vais faire le basse altitude avant. Mais ce score était complètement what the fuck. Bon, direction la rivière. Clairement. Après, ouais, voilà. Bon, ça va être compliqué de passer sous ce pont-là. Ah, mince. Bon, celui-là aussi est un peu petit. Par contre, le prochain, je pense que je peux passer dessous. C'est un peu light, quand même. Ouh! Bon, celui-là, c'est plus simple, hein. Bon, est-ce qu'on peut passer sous ce pont-là? Non, je plaisante. C'est un véritable aqueduc, là. C'est plus un simple pont. Bon, si je fais encore un score tout pété, là je comprends pas. Parce que là on était bien. What the fuck? Bon ok, ils ont modifié le truc des scores. Clairement, ils l'ont complètement modifié. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais ok. Les scores sont complètement, mais complètement modifiés. Bon, on va rebrancher le volant là pour faire la dernière épreuve. Je vais faire ça avec une des voitures. Je sais pas encore quelle voiture par contre, hein. J'ai pas encore fait mon choix. Alors certainement pas avec cette voiture là, ça c'est sûr. Quoique je pourrais y aller avec la moto aussi. Hein. Mais bon. On va faire avec la Porsche. C'est mon nouveau chouchou la Porsche. C'est parti. Bon voilà, mon plan c'est de prendre la route où il y a le moins d'arbres. Bon, ça va pas être extraordinaire là. Ah, ça aurait été marrant si on avait eu le temps d'atteindre le lac salé. 36 points. Bon, faudra vraiment qu'on m'explique là, parce que là, les scores sont ridicules. C'est fini l'époque où on atteignait les 100 000. Je comprends pas le nouveau classement là. Bon, allez. On va passer sur le challenge en hypercar avec la one-to-one. Très sympathique, ça. Colline blanche roche. Ok. C'est parti. Elle était de cette couleur là, ma one. Allez, on croise les doigts.
Bon, je vois où on est. On va essayer de rester sur la piste quand même. Est-ce qu'on joue bien la One hein, quand même? Cette Koenigsegg One to One là, c'est pas mal. Comme voiture, j'aime bien. Je préfère ça dans la philosophie qu'une Veyron. Clairement. Non, pas la barrière. Je veux pas offrir ce plaisir à Minimoi. Elle est tellement facile à conduire dans The Crew. De toute façon, toutes les voitures sont trop faciles à conduire dans The Crew. Oula, ok. J'ai fait un tout droit. Je pense que ce serait passé en troisième, en quatrième quand même. Un peu comme là. Toujours faire des scores à plus de 100 000. D'accord. Mais c'est devenu chaud en fait. Juste méga chaud. Parce que là, j'ai pas compris. Ça rapportait R les défis au début. Bref, ok. Donc ils ont nerfé les défis en fait, en gros. D'accord, ok. Bon ben on va continuer avec du rallye raid, tiens. Ici. Aucune restriction. Bon ben on va... Non, on va prendre la 3008. J'ai beaucoup pris la Porsche dernièrement. On va sortir la 3008. Pivot des Hautes Plaines. Tu vas tout déchirer. Il y a un moustique qui s'amuse à voler devant moi. Je sens qu'il faudra que je fasse une petite pause pour faire la chasse aux moustiques tout à l'heure. Il me semble qu'il vaut mieux passer par là, il y a moins d'arbres. Ouais, j'avais vu juste. Bon, il y a d'autres trucs quand même, hein. La voie est pas totalement dégagée.
Sinon, ça aurait pas été drôle. Merde, j'avais oublié ce virage-là. C'est très con. Bon, mon score va être nul. Mais bon, c'est pas grave. Bon, cette épreuve-là, je la connaissais déjà, mais j'ai pas été top, là. 85 000 pour l'instant, c'est pas ouf comme score. À améliorer. Ok, on va enchaîner avec du rallycross, tiens. C'est pas mal. Ouais, on va y aller avec la Lancer. J'avais complètement oublié que parfois, en rallycross, il y avait des virages. Allez, on se reprend, on se remet dans le bain. Et on descend. J'ai jamais compris pourquoi il y avait des espèces de parachutes par ici. Dans les arbres, comme si on avait largué des ravitaillements et puis que c'était là. Et précisément sur cette course-là, il me semble. Hein. Bon, ça devrait être au-dessus de 100 000 là déjà quand même. J'ai pas trop mal roulé. Oh! Un finish à la hauteur de mon talent. Bon, c'est pas grave, on était déjà arrivé. On a quand même fait un petit 116 000 points. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout.
On va continuer. Il nous reste genre 2 ou 3 épreuves. Ouais, il reste une épreuve en motocross, je vais la faire à la fin. Une épreuve en rallye raid, ici. Enfin, c'est l'épreuve cross-discipline, rallye raid et rallye cross. Donc, on va rouler en rallye raid avec une rallye cross. Ouais, non, on va rouler en rallye cross. Oh, je suis complètement perdu, en fait. Pourquoi ils veulent que je prenne ça? Je comprends pas le délire. Quoique, pour on en est, autant la prendre. America! Yeah, nanana, 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 nanana. Non. De Golden Hills à Los Angeles, du Nevada à la Californie, stage numéro 6, US Speed Tour West. Bon, c'est pas le véhicule le plus ouf que j'ai en rallye raid. Et ça se sent. Il va falloir revenir, là. Waouh. Bon, autant dire, la caisse, elle est nulle. Elle est nulle. J'ai pas l'habitude de prendre cette voiture-là et je sais pourquoi. Waouh. C'est une daube. Je suis en train de me faire larguer. Bon, on va arrêter le massacre. Parce que là, je suis en train de me faire lessiver. Très franchement. On va prendre quelque chose de plus sérieux. Ma Dakar Rally ou bien ma Porsche. Allez, c'est parti. Va pour la Porsche. De Golden Hills à Los Angeles. Du Nevada à la Californie. Stage numéro 6. US Speed Tour West. Bon, je suis toujours pas devant, mais je me suis pas fait larguer comme tout à l'heure. Je me suis dit que ça pouvait être marrant de changer, ben non en fait. Ah d'accord. C'est vrai que ça fait beaucoup de virages pour une rallye raid. Bon, est-ce qu'on peut revenir? Ça roule de façon plutôt énervée là quand même. Bon, je le vois à nouveau. Peut-être moyen qu'on fasse un truc correct. On est plus rapide en ligne droite, mais quand faut freiner, faut freiner quoi. Me voici de retour. «
J'ai enfin réussi à revenir. Par contre, quand je suis revenu franchement. Hein. La tenir légèrement. Elle a tendance à un petit peu trop survirer. Par contre, elle est super rapide, la Porsche. Bon, on est parti sur la Focus. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est un peu serré ça. Bon, on a pris une belle avance après, donc ça va. Ça, c'est de la cote. On est à deux doigts de reculer là. Waouh. On était pratiquement à pic, c'est incroyable. Bon, en vrai, j'ai été pas trop mal pour un premier passage. Franchement. Ambitieux sur ce virage. Dernier checkpoint avant Los Angeles. Les concurrents sont sur le point d'apercevoir l'océan Pacifique. Ok, welcome to LA. Bon, pas extraordinaire comme score pour l'instant, mais ça a le mérite d'être là. On a une dernière épreuve à faire avant d'avoir acheté une voiture et c'est du motocross. Donc moi, je vais clairement débrancher le volant, encore une fois. Ok, et c'est parti. Bon, je vais y aller avec la KTM. Vite. Ouais, ça va déjà très vite. Ah,
Pourquoi se priver de faire une petite figure alors qu'on avait un immense saut? Ouais, presque sans se manger un séquoia. J'aimerais vous présenter le motard le plus solide que vous puissiez trouver. Il résiste à tout, rocher, arbre. Mille points pour le moment. Bon, on peut faire mieux que ça, mais c'est correct. C'est correct. Surtout pour du motocross, je suis pas très fort en motocross. Ça passe. Et il nous reste une dernière épreuve. Il va falloir que j'achète une voiture. C'est une Cadillac Silverado, pardon. Non, une Chevrolet Silverado. Que je ne possède pas encore. Ok. Ah! D'accord, j'ai de l'acheter. Ok, la première voiture du pack, elle coûte 245 000. Ok, allez, on prend. On va lui mettre des pièces et après on sera bien. Alors, voyons voir. Ok, c'est parti. Finalement, je lui ai mis un pack rouge. Ça devrait suffire. Et c'est parti pour le rallye raid. Je le sais. Bon, on va prendre la bus. Mauvais choix. Bon, on la refait. Concentré sur parcours et c'est dans la poche. Bon, on va essayer de faire ça mieux.
Le meilleur chemin, il me semble que c'est par là. Ouais, une route. C'est trop bien, les routes. Moi, j'aime les routes. Passer à travers la forêt, c'est toujours moyen. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Bon, d'accord, sur la route aussi. Mais moins. Non ? Enfin, c'était ça l'idée, il y a moins d'arbres, donc on roule mieux, mais bon. J'avais oublié que c'était moi. Là, j'improvise une route, mais c'est pas top. Oh là là, oh là là. C'est tellement triste. Aïe, aïe, aïe. Bon, je dis pas qu'il faudra que j'améliore, mais il faudra que j'améliore. Vraiment. Parce que là, c'était pas ouf. Je me suis bouffé tout ce qu'il était possible de se bouffer, en fait. Bon, et bien, c'est ainsi que se termine ce premier summit. On nous a pas trop montré ce qu'il y avait de contractor. Hein. C'est en dehors du summit, je pense. Bon, ben, on va se laisser là-dessus. Je rappelle que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement. Je laisse le lien en description de la vidéo. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner à la chaîne pour voir les prochains contenus. Et sur ce, moi, je vais vous dire ciao!